Le vainqueur était trop fort ou... C'est quelqu'un de costaud, Marcus, donc je savais que ça allait être dur, hein, de toute façon. Il y avait quand même du monde cette année, elle était relevée, il y avait Julien Rant, il y avait Mahmoudi, il y avait Théodore, il y avait Najim Arbi, c'est des mecs qui m'ont battu à Taron, donc c'est des mecs costauds. Et... Voilà, quand il attaque au deuxième tour là-bas, je suis derrière un coureur, du coup je vois pas du tout l'attaque. Et après, c'est une fois qu'il est parti, c'est très très dur à reboucher le trou. Et... Mais il était costaud parce que je le voyais dans les virages, on se croisait, il relançait bien et tout. Et... Franchement, il fallait être costaud aujourd'hui pour le battre, Marcus. Donc je le félicite et voilà quoi. Tu es content malgré tout de votre résultat? Ah ouais, je suis content. Deuxième, c'est sûr, premier c'est mieux, mais des fois il faut dire qu'il y a plus fort que soi le jour-là et il faut accepter. Je suis content avec le public, tout ça, c'est vraiment cool. J'ai eu beaucoup d'encouragement et je suis vraiment content d'être venu, même si je gagne pas, je suis très très content. Puis ça revient petit à petit. Je bats deux gars qui m'ont battu à Taron, qu'ils ont fait moins de 29-40, c'est que ça revient petit à petit. Et maintenant, j'espère que 2022, ça ira encore beaucoup mieux.